Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizon. Je vous débute la vidéo sur un écran noir parce que normalement Marie va faire une grande annonce. Attention, lisons. Bonjour à tous, chers résidents de l'île. En ce dimanche 29 mars 2020, il est actuellement 9h45 sur notre belle île, sur notre belle Ryoko. Tout de suite, les annonces du jour. La population s'agrandit sur Ryoko, nous accueillons Charlène. Bienvenue Charlène, tous les résidents de l'île se font une joie de faire ta connaissance. Et pour terminer, j'ai une annonce exceptionnelle à vous présenter. Keke Laglisse, l'extraordinaire artiste et musicien incomparable et en visite sur Ryoko. Et ce n'est pas tout, Monsieur Laglisse a gracieusement accepté de donner un concert public sur notre île. Tout de suite, les images en direct de cet événement qui restera dans les mémoires. Profitez-en bien les amis. J'augmente juste le son pour le concert, du coup. Le concert. La switch qui a bougé, c'est magnifique. Attention, à quoi ça va ressembler? Ah, salut Ryoko, c'est un plaisir d'être ici. Une nuit, j'ai rêvé d'une île paradisiaque, exactement comme celle-ci en fait. Il paraît qu'à l'origine, c'était une île déserte, mais je ne peux pas vous dire si c'était la même que dans mon rêve. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la magie qu'on sent ici et auprès de vous n'a rien à envier à mon rêve. Pardon, je deviens sentimentale. Place à l'esprit groovy. Il est temps que la zik s'applique. Je dédie ce morceau à tous les fans de bon son de Ryoko. J'ai pas eu le temps de lire le titre, c'est magnifique. Attention, petit concert de Keke. Ah d'accord, le générique du jeu. Oui, mais c'est pas mal. C'est mignon, on est tous regroupés. C'est beau. Ils se balancent. Ah, c'est trop mignon. Tout le monde se balance. Oh, il y a des fleurs d'avril qui arrivent. Oh, c'est trop beau. Je vais prendre une photo. Bon, je vais essayer de passer. On peut pas passer? On peut pas passer. Je suis désolée, il va falloir voir le générique en entier. C'est magnifique. Au moins, on a tous les noms japonais de ceux qui ont fait Animal Crossing New Horizons. Et la belle voix de Keke. Oh, le petit chien! C'est trop mignon! Oh, maintenant on est en automne, j'avais pas vu. On peut vraiment pas passer? Oh, on est en hiver, ça veut dire que c'est bientôt la fin. On va revenir au printemps et après, voilà, c'est la fin, non? Je voulais vous filmer ça parce qu'après, normalement, j'ai le Romodil. Et ça, c'est. Enfin, c'est trop un truc que je voulais découvrir avec vous. C'est pour ça que je vous fais une petite vidéo. Par contre, le focus, il a du mal à se faire. C'est problématique. Il y a trop de trucs qui défilent. Il y en a encore pour longtemps, vous croyez? Oh, les étoiles filantes, c'est beau. Désolée pour le focus, des fois. Oui, bon, Kéké, chut. Juste baisser un peu le son. Nintendo. Bravo! Tout le monde va applaudir. Merci à toutes et à tous et à la prochaine fois, d'accord? Oui, je fais des captures d'écran. Peut-être pour une miniature, je ne sais pas. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre en miniature. Donc voilà. Oh, Tom Nook! Ne faites pas attention à mon style, il date d'hier. Bonjour, Chizu! Qu'as-tu pensé de la prestation du grand Keke, éblouissante? Quelle joie d'avoir pu l'accueillir. Ça n'arrive pas tous les jours, non? Non. Pour fêter ça, voici une chanson en cadeau. Horizon nouveau. Oh, c'est beau.
Trouve un objet permettant d'écouter de la musique, ouvre grand tes oreilles et laisse-toi t'emporter. Ah, et tu ne sais pas le meilleur? Attention, attention! Notre île a tapé dans l'œil de Kéké. Résultat, on aura le droit à un concert tous les samedis soirs. C'est pas le truc que je croyais que... Quand j'y pense, il fut un temps où Ryoko était un caillou perdu dans l'océan. Et voilà que c'est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les mélomanes. Je ne vous remercierai jamais assez, toi et les autres, d'avoir contribué au succès de la formule Évasion. J'espère qu'il sera toujours aussi bon vivre à Ryoko. Et avec toi, je n'en doute pas un instant. En fait, j'ai mis au point une nouvelle appli. Ça y est, pour t'aider à rendre notre île encore plus accueillante. Attends, je t'envoie ça tout de suite. Oh, c'est le remote deal, les amis. Ah, j'avais trop, trop hâte. Depuis que je l'ai vu dans... Ah oui. Oh, c'est trop beau. Je suis trop contente. Depuis que je l'ai vu dans les présentations du jeu, c'est un truc qui m'a donné trop, trop envie. L'appli que je viens de t'envoyer s'appelle Remodile. C'est une appli signée Nook Incorporation, qui donne aux résidents l'opportunité de participer au développement de l'île. Au début, on ne peut que créer des chemins, mais d'autres options sont accessibles contre quelques masses. Par exemple, la possibilité de varier les sortes de chemins et des permis pour modifier falaises et rivières. Crois-moi, tu prendras vite goût à l'art de l'aménagement insulaire. Je ne peux que t'encourager à collectionner les permis. Oui, oui, Ryoko a bien grandi. Je crois que je vais de plus en plus confier la croissance de notre île aux résidents. Je suis bien content d'avoir eu cette conversation avec toi, Chizu. Au travers de ma modeste personne, c'est tout Nook Incorporation qui exprime sa joie de collaborer avec toi. Tes idées pour Ryoko associées à notre expertise, on a de l'or dans les pattes, oui, oui. On l'a, les amis. Wouah! Eh bien, après cette chanson de Kéké, il est temps de se remettre au travail pour améliorer davantage l'île. Tu vas devoir profiter pleinement de chaque journée en faisant ce qui te plaît et en t'amusant. Cool. Ah, on a gagné des miles. Non, c'est pas ça que je vais faire. Oh, on a gagné des miles. Attention. GG Kéké. Kéké participe au rayonnement de notre île grâce à sa musique inimitable. Ce n'est donc que justice si nous le soutenons à notre tour. Assiste à ses concerts et nous t'offrirons des miles. Pas trop compliqué ça. J'ai trop hâte. En plus, le 1er avril, normalement, à ce que j'ai compris, il y a la fête des œufs de Pâques. Et ça, j'ai trop envie de vous faire une vidéo dessus aussi. C'est tellement mignon! Avec le petit lapin, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Et j'ai vu aussi sur internet qu'il y allait avoir... Oh, il y a la vendeuse de navets. J'avais oublié qu'on était dimanche. Mais il va y avoir aussi la journée de la Terre avec Racine. Alors, Remodile, cette appli te permet de développer et de façonner l'île en y supervisant des projets de construction. Tu peux échanger tes miles Nook ou Nook Stop pour obtenir de nouvelles options de construction et de nouvelles routes. Un service de nettoyage est aussi intégré au cas où ton chemin serait bloqué ou si quelque chose te passait mal. Si tu veux en savoir plus sur le service de nettoyage ou sur une autre fonctionnalité de l'appli, consulte le guide intégré. J'ai un peu de mal à lire. Il ne te reste plus qu'à te retrousser les manches et à transformer ton île selon tes goûts. Franchement les amis, veux-tu démarrer Remodile et faire des travaux? Oui. Bah attendez, on va commencer direct. Permis en cours de construction. Remodile est prêt. Tu peux passer d'une option de construction à l'autre en appuyant sur... Ok. Pour plus d'informations, ok. Yeah. Je vais peut-être faire ma miniature comme ça. Je ne sais pas encore. Bon, on a du courrier. Déjà, on va voir le courrier. Oula. Quelqu'un s'est installé. Ah oui, j'ai Charlène qui est arrivée. Du coup, vous avez vu dans les annonces au début. C'est un mouton, bon, que j'ai pas trouvé très très beau. Mais je l'ai pris parce que pour avoir 3 étoiles pour faire venir Kéké, il fallait des gens. Donc j'ai pris tous ceux qui venaient. Mais par contre, je compte les laisser partir parce que je veux certains personnages que j'aimerais trop avoir. Et surtout faire tourner les persos parce que j'ai tout le temps les mêmes en fait. Je vois tout le temps, depuis que je joue Animal Crossing New Leaf, Animal Crossing Wild World, Animal Crossing du coup New Horizon, j'ai tout le temps les mêmes personnes. Du coup, c'est un peu chiant. Mais sinon, voilà. Là, j'y vais. Ouais, ben j'ai pas augmenté, c'est normal, je trouve pas de meubles à mettre dedans. Théo. Il me va à la perfection. Ah ouais, je leur ai écrit 3 lettres l'autre jour pour gagner des miles. Et du coup, j'en ai gagné un peu. Et du coup, il me répond.
Et qu'est-ce qu'il m'a offert lui comme cadeau? Parce que du coup, j'avais offert un. Je mets bien les lettres des habitants en favoris, j'adore ça. Sylvette aussi, j'avais écrit une lettre. Merci pour ta carte et ton cadeau. J'ai aussi une surprise pour toi. Ça y est, pas sympa. Ça y est, c'est-y pas sympa. Ça vient de mon ancien chez moi. Alors on peut tenir si ça a voilà, on est. Et Primo qui m'a pas mis le cadeau. T'as fait une bombe à Madoué, faut pas avoir peur de moi, j'ai l'air grognon, mais je mords pas, continue comme ça. Ah, vous voyez, ceux qui sont un peu plus amis avec moi, parce que Sylvette et Théo, je leur parle beaucoup. Alors, lui, je lui parle pas, en fait, j'ai envie qu'ils partent, donc voilà. Mais Sylvette et Théo, je leur parle beaucoup, beaucoup, pour qu'on soit potes et qu'ils partent pas, parce que pour l'instant, j'ai envie de les garder. Je verrai plus tard si je les laisse partir. Mais du coup, ça me gêne pas de les faire partir, les habitants, puisque c'est nous qui décidons où ils s'installent, donc ça me gêne plus, vous voyez. Mais je vais passer ma vie sur Romodil. Et jusqu'où on peut aller devant les maisons? Ah ouais, d'accord. Il y a quand même. Oh! Oh, c'est trop beau. Ah oui, d'accord, là on efface carrément. Ah oui, on va quand même jusqu'à devant les maisons, quoi. Ça fait joli. Ok. Bon, j'essaye là. Attends, du coup, il y a quoi d'autre? D'accord, c'est pas ça que je veux faire. Plus. D'accord, soit de l'herbe, soit. Ok, donc là je peux mettre de l'herbe quoi. Là, c'est ça. Ok, bah du coup il va falloir que je gagne beaucoup de miles pour avoir plein de nouveaux trucs et vous allez retrouver la ville transformée la prochaine fois. Bon, du coup, mes hybrides. Bon, là il y a de l'herbe. Ça dégage. Là, toujours pas. Ah ouais, j'ai fait des trucs pas très jolis. Parce qu'il fallait décorer l'extérieur avec des choses qu'on a construites nous-mêmes. Oh, j'ai une hybride! Oh, je suis trop contente! Oh, il y a tout d'un coup là, c'est un truc de fou quoi. J'ai une hybride. Hein. Par contre, j'en ai pas deux, j'en ai pas trois, j'en ai qu'une. Mais bon, ça va aller. Donc, j'ai une hybride, j'ai eu l'euromodile. Je voulais. Bon, ça c'est Primo. Ah bah ça y est, il va me parler. On t'a déjà posé une question à laquelle t'avais pas de réponse. Moi, ça m'arrive tout le temps. Mais j'ai un truc, un petit sourire en coin et un regard plein de dérision. Et il se tourne et joue. Ah, ça c'est pour m'apprendre à nouveau, une nouvelle mimique. Tu as appris à exprimer la dérision. D'accord. J'adore toutes les mimiques qu'il y a. Comment on fait pour voir tout déjà? Ah, comme ça. J'en ai déjà pas mal. Hein. J'ai trop hâte d'avoir tout. Un de mes objectifs, mais bon, ça s'obtient beaucoup plus facilement que dans New Leaf, hein, pour ceux qui ont joué. Donc voilà. Encore gagner des miles, je vais aller voir ce que c'est. Romodil. Nous encourageons les résidents à utiliser l'application Romodil pour donner de la personnalité à notre île. La première utilisation d'un permis. Route, cours d'eau ou falaise. Ah donc ça, c'est parce que j'ai fait une route. Après, il y aura parce que j'ai fait un cours d'eau. Et après, ça sera parce que j'ai fait une falaise. Pas mal, pas mal, pas mal. Franchement, je suis trop, trop, trop hâte de faire plein de chemins. On va aller voir ce qu'ils proposent dans le Nook pour acheter de nouveaux chemins ou nouveaux permis. Est-ce qu'ils vont me parler? Non, ok, c'est bon. Bienvenue dans le Nook Stop. Ouais, c'est bon. Oh, trop bien. Quel service souhaites-tu utiliser? Échanger des miles? Permis cours d'eau. Ah oui, d'accord. Même les chemins, ils coûtent cher. C'est beau. On peut mettre même les trucs perso. Cool. Pas mal ça. Et du coup, je sais pas laquelle choisir. C'est trop difficile. Bon, de toute façon, je les aurai toutes au bout d'un moment, mais. C'est dur de choisir en vrai. De toute façon, je vais économiser pour avoir ces deux-là. Parce que ça, c'est un truc qu'il me faut trop. On va en prendre un parce que vous êtes avec moi, mais j'hésite. Je vais peut-être prendre celui-là. Je sais pas ce que j'en faire, mais bon, voilà. Comme ça, j'en aurai acheté un avec vous. Et voilà. Du coup, voilà. Hop. On va l'essayer.
Hein, on va pas attendre 3 heures. Bon, du coup, la prochaine fois que vous me retrouverez, la ville aura beaucoup changé, je pense. Mais bon, je pense que vous me retrouverez avant pour la fête de Pâques, quoi. La fête des œufs. Parce que bah, c'est trop un truc mimi, quoi. Attention, on va essayer le nouveau truc que j'ai acheté. Oh, attention, attention, attention. Oh, c'est joli. Par contre, jamais si elle se colle, quoi. Ça peut pas se coller, là. Non, là, ça peut pas se coller. C'est gênant. C'est chiant. Pourquoi? Pourquoi ça peut pas se coller? Ok, je fais n'importe quoi, des fois. Oh non, ça peut pas se coller. Triste. Ça peut se coller en maison, mais là, ça peut pas se coller. Donc, ça fait ça, quoi. C'est pas très joli, ça, par contre. Bon, du coup, je vais pouvoir enlever tout ça que j'ai mis n'importe où, n'importe comment, pour faire venir Kéké. Parce que, voilà. Mais je suis trop contente de mon hybride, ma première tulipe rose. Je l'aurais eu avec vous. Mais bon, du coup, voilà. Ah oui, Patty, elle est partie. Faut que j'aille trouver une nouvelle habitante. Du coup, voilà. Et Charlène, elle a dû s'installer là-haut. On va aller voir ça. Et après, je vous laisse. Voilà, voilà. Je pense que la prochaine fois qu'on se verra... Ah non, c'est pas vendu ici. Genre Charlène. Mais quoi, il me manque encore 2 habitants pour avoir le max. Ah oui, le nombre max d'habitants, c'est 10. Hein. Je sais pas si vous le saviez, mais du coup, voilà. Et donc, je confirme que les hybrides... Alors, les hybrides, ça marche beaucoup mieux comme ça. Alors, quand elles sont croisées, enfin, pas collées. Mais il faut quelques jours avant que ça débute. Vous voyez, là, aujourd'hui, j'en ai une. Mais si je... Il faut pas changer les jours. Hein, parce que si vous changez les jours, ça bug. Mais là, en fait, moi, j'ai attendu quelques jours sans changer les jours. Et là, ça commence à marcher. Ouais, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Faut que je retravaille toute cette île, quoi. Donc Charlène, elle a dû s'installer là-bas. Je vais essayer de vous montrer Charlène. Et après, je vous laisse sur ça. Ah, elle est là. J'ai que des habitants genre... mornes. Genre noirs, violets, punk aussi. Enfin, c'est trop bizarre. Voilà Charlène. Alors, c'est pas la plus belle. Mais du coup, j'avais pas le choix. Sinon, Kéké pouvait pas venir. Du coup, voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. La prochaine fois, donc comme je vous ai dit, je vais essayer de travailler beaucoup sur l'île. Mais je pense qu'on se retrouvera avant pour la fête des œufs. Du coup, voilà. Donc, vous avez eu quelques petites astuces. Les hybrides, comment ça marche bien. Vous avez pu découvrir le remodil avec moi. Franchement, je voulais trop découvrir le remodil avec vous. Comment ça marche, comment on l'obtient. Et du coup, j'ai fait n'importe quoi. Mais du coup, ça m'a plu, ça me plaît beaucoup. C'est une bonne idée qu'ils ont eue sur ça. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Salut!